Voilà, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés ce matin. Bonjour à Claude, Claudie Zagonza. Zagonza, ah ma fille, un nom grec extraordinaire. S'il vous plaît, envoyons les cœurs et les pouces bleus. Bienvenue à Daniela Edo, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Envoyons les cœurs et les pouces bleus, s'il vous plaît. Les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Juste les cœurs. Bonjour Alexandre Victoire. Waouh. Bonjour mon fils Olivier Mati. Partageons la vidéo et taguez s'il vous plaît. Taguez des amis, taguez des ennemis et taguez les hommes de Dieu. Il faut taguer ton pasteur. Parce qu'on va gâter un peu le coin. Les enfants ne doivent pas être connectés ce matin. On va parler des choses des adultes. Des choses dont on ne parle pas d'habitude, des choses qu'il faut le courage pour les évoquer en fait. Donc voilà, partageons la vidéo s'il vous plaît. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Vous appuyez juste en bas comme ça, les cœurs comme ça, rapidement. Pa, 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 pa. Et les pouces bleus. Voilà, pour que la vidéo puisse être recommandée à plusieurs personnes. Et taguez s'il vous plaît, taguez-moi les hommes de Dieu. Ah, la différence est extraordinaire. Taguez mes amis. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Les gens ne savent pas que je suis en direct. Donc, on va parler un peu des choses qui sont scandaleuses, très scandaleuses. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es bon. Seigneur, glorifie Jésus. Prends contrôle ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, taguez, s'il vous plaît, taguez. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes à Douala. On est à Douala et nous sommes en train de passer 3 jours extraordinaires dans la ville de Douala. On a commencé hier avec des choses très fortes et nous continuons ce soir à partir de 17h à Ndorbonne, derrière l'immeuble Camelet. Je suis dans la ville de Douala. On a commencé hier. Il y a eu des délivrances extraordinaires, des guérisons très fortes. La main du Seigneur s'est manifestée puissamment. Nous avons vu le Saint-Esprit manifester la gloire de Jésus-Christ. Hier, lorsque un frère venu impuissant sur place à la parole, par la parole de l'Éternel, a reçu la puissance immédiatement. Vraiment, si vous n'avez pas suivi le culte d'hier ici à Douala Ndorbonne, allez le suivre après mon direct. Suivez le culte d'hier. Allez le suivre pour voir ce que le Seigneur est capable de faire. Le monsieur est venu impuissant à l'église. Ça n'allait pas, mes amis. Ça n'allait pas. Et puis, pendant que j'étais en train de prier pour lui, de rendre ministère, j'ai reçu une révélation du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, dis-lui d'aller aux toilettes, qu'il frappe son pantalon 7 fois à la parole d'un prophète au nom de Jésus. Qu'il frappe son pantalon 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le Seigneur m'a dit la 7e fois, sa partie intime va se réveiller. L'onction de résurrection touchera son sexe. Le monsieur est parti. Il est parti aux toilettes. Il a fait comme le prophète avait dit, sur la parole de l'Éternel. Il a tapé. Pow, 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 pow. Et il est revenu. Quand le renom lui a demandé ce qui s'est passé, il a dit que quand il a tapé 7 fois, d'après la parole que l'Éternel lui avait adressée, la 7e fois, il a senti une douleur. Quand il a senti la douleur, il a senti envie d'uriner. Lorsqu'il a fini d'uriner, bam! Son sexe s'est mis en érection. L'érection a été sur place. Pam, 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 la mitraillette. Mitraillette érectionnelle. Le gars était content. Et je lui ai dit, va taper ta femme cette nuit. Tape ta femme. Tape la venge toi sur ta femme. Bah, au premier, il n'a pas compris ce que tape ta femme voulait signifier. Il était perdu, il avait fait les mains comme ça. Il était prêt à aller boxer sa femme. Je dis, non, mon frère, c'est pas comme ça. Comment vous êtes marié, vous n'avez pas les secrets du mariage. Tape ta femme. Tape-la bien. Voilà. Tu la tapes bien. Et donc, ça a été comme ça. Le monsieur était très content et moi aussi je suis très content pour lui. Je sais qu'il a passé une très belle nuit et je vous recommande de suivre le culte de la soirée d'hier. Ouais, c'est important, mes amis. Donc, ce soir, je sais
que tu m'écoutes, si tu es en train de m'écouter, c'est pas le fruit d'un hasard ou bien arrangement humain. C'est l'Esprit de Dieu qui te permet de m'écouter ce matin. Sois à Ndokbon derrière l'immeuble Kamlé si tu es à Douala. Si vous êtes à Douala, ne manquez pas. Ce soir, à partir de 17h, Ndokbon derrière l'immeuble Kamlé. Ça va se passer là-bas, ce soir. Ça sera terrible. Hier, c'était l'introduction. Nous avons encore deux journées. On a ce mercredi, ce jeudi, et puis on a vendredi. Ça commence tous les soirs à partir de 17h. Mais sois là très tôt, parce que les gens discutent les places. Fais tout pour avoir une bonne place. La parole de l'Éternel te sera adressée. Le monsieur nous a expliqué hier qu'il a eu un rêve. Dans le rêve, le Seigneur lui a montré qu'en venant à l'église, j'allais prier sur lui et le guérir. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mes amis. Je vous assure qu'il est merveilleux, notre Dieu. Dieu est vivant. Le Seigneur arrange toutes choses selon ses desseins pour accomplir sa volonté. Voilà pourquoi j'ai toujours foi que chaque culte où il y a le Saint-Esprit arrangé par le ciel, chaque virgule, chaque point, chaque trait de lettre, chaque iota est mis en place par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas du tout du hasard. Là, dit-on. Tout est arrangé. Quand tu pries bien à la maison chez toi, avant de venir dans un programme prophétique comme celui-là, le Seigneur manifestera sa gloire et sa grâce. Tu seras touché, tu seras béni. Donc ne manque pas. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. C'est ce soir, 17h, Ndokbon, derrière l'immeuble Kamlé dans la ville de Douala. Dieu a fait des choses extraordinaires. On a suivi des témoignages. Il y a cet homme qui est venu à l'église, sortant de l'hôpital directement. Il ne marchait pas, mais il est rentré sur ses pieds. Il a couru à l'église hier. La fidélité de Dieu. Le Seigneur est vivant, mes amis. Il est grand, notre Dieu. Donc voilà pourquoi ma bataille, c'est que personne des brebis que le Seigneur m'a confié n'entre en 2024 avec les limitations de 2023. Ah non, non, on ne va pas accepter ça. C'est anathème au nom souverain de Jésus. Nouvelle année, nouvelle méthode, nouvelle personnalité. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Père, merci encore. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit. Merci pour cette journée nouvelle que tu nous donnes. Merci pour cette nuit, Seigneur. Merci parce que tu es notre sanctification. Tu es notre Dieu, notre bon berger. Seigneur, je recommande ce programme entre tes mains et aide-nous. Console nos cœurs. Apporte la délivrance et la guérison dans les cœurs pour ta gloire. Seigneur, sois loué, sois honoré. Au nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc voilà, bien-aimés, nous, ce matin, comme hier j'ai parlé, j'ai continué, ce sera la continuation du direct d'hier, dans tous les cas. Ce sera juste la continuation du direct d'hier. J'ai commencé à parler hier des expériences que j'ai eues à vivre. Les expériences que j'ai eues à vivre, vous voyez. J'ai parlé de certaines personnes qui ont marqué positivement ma vie et mon ministère. Il y en a plusieurs, hein. Ça, c'est juste ceux que j'ai énumérés. Il y en a plusieurs qui ont marqué ma vie, qui ont été une grande bénédiction pour moi, qui ont été des personnes loyales, des personnes bonnes. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, vous devez savoir, bien-aimés, que vous ne pouvez pas être épanoui si vous êtes mal entouré. Ça, c'est une équation qu'il faut que chacun comprenne. Nos vies dépendent de l'entourage que nous avons. Ça, c'est premièrement ce qu'il faut savoir. Donc, il y a une corrélation entre moi et mon entourage, entre mon entourage et moi. Donc, parfois, lorsque tu te rends compte que les choses ne marchent pas bien pour toi, il faut réordonnancer ton entourage. Il faut regarder ton entourage. Il faut voir. Parce que tu peux avoir un entourage pollué, comme vous pouvez avoir un entourage béni. Vous pouvez avoir un entourage oxygéné, comme vous pouvez avoir un entourage qui livre plutôt du dioxyde de carbone dans votre vie, en fait. Donc, l'entourage, la qualité de ton entourage détermine la qualité de la santé, de ta vie, de ton destin, en fait. Mais il faut faire attention, il faut faire attention. Parfois, lorsque vous regardez dans votre entourage et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie et que votre entourage influence très négativement votre vie, il faut changer d'entourage. Il faut apporter des modifications. Parce que si votre entourage est toxique, votre vie sera aussi sous cette toxicité. Automatiquement, votre vie va étouffer. Votre vie ne fonctionnera pas. Et je crois fermement que beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie, à connaître
la paix, la stabilité, le bonheur à cause de leur entourage. À cause de l'entourage. Quand je parle d'entourage, je ne parle pas de vos voisins du quartier. Je parle des personnes qui font partie de votre vie. Des personnes que vous avez admises dans votre vie et qui partagent votre quotidien. Il faut faire attention. S'il y a des personnes qui ont des ondes négatives, elles vont vous affliger tous les jours. Vous serez dans l'affliction, vous serez dans les pleurs toujours, dans la tristesse, dans le deuil, etc. etc., etc. Donc parfois, les problèmes de tristesse, de dépression que les gens ont en Europe, etc., il faut juste revoir l'entourage. Quand vous regardez votre environnement dans lequel vous évoluez, votre entourage, vous faites des rectifications, des modifications, alors automatiquement vous sentirez bien. Ça, j'ai compris la science de l'entourage et je suis en train de travailler encore là-dessus. La science de l'entourage. C'est énorme. Quand je suis allé en Europe dernièrement, j'ai expérimenté un peu la science de l'entourage. Quand je suis arrivé à Paris, avec les enfants que le Seigneur m'a donnés, ceux avec qui j'ai commencé à travailler, mes bien-aimés, je me sentais tellement bien. C'est un peu comme si c'était le paradis sur terre. Pourquoi? Parce que les enfants que le Seigneur m'a donnés là-bas étaient purs de cœur. C'est des enfants qui n'avaient rien d'autre comme souci que de servir Christ auprès de son serviteur, de son prophète. Ouais. Et puis ça fait que je me sentais bien, mes amis. Je ne manquais de rien. À peine je pensais à quelque chose que ces enfants avaient déjà anticipé. Et j'ai compris encore fortement l'influence que l'entourage, l'environnement que nous créons peut avoir sur nos vies et sur nos ministères. Non, là, c'est comme si j'étais une nouvelle personne. Je me sentais une nouvelle personne. J'avais des gens qui se souciaient de moi, des gens qui me portaient dans leur cœur, des gens qui avaient une disponibilité vraie, qui n'avaient pas des attentes, des enfants qui pouvaient se déplacer, mettre leur carburant, venir. Parfois, quand je vais donner le taxi, le transport, ils refusent. Ils disaient, non, on ne veut pas. Dans tous les cas, nous, on a déjà payé nos transports, etc. On n'a pas besoin de ça. Et puis, vous vous sentez aimé, vous sentez soyé, vous sentez chouchouté, vous sentez aimé dans tous les cas, c'est ça le mot. Vous sentez aimé sans hypocrisie. Et là, j'étais épanoui. Il faut le dire, plus épanoui qu'au Cameroun. Ça, c'est la vérité. J'étais plus épanoui qu'au Cameroun. Et c'est là que j'ai compris l'importance de l'influence de mon entourage sur ma vie. Et je voudrais vous raconter certaines choses pour que vous soyez juste fortifiés dans la foi. Pour que vous compreniez qu'être homme de Dieu n'est pas une chose facile. Ce n'est pas donné à tous. Le ministère, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour ceux qui pleurnichent. Et Dieu vous prépare depuis le ventre de votre mère pour le ministère. Parce que ça demande une préparation profonde, sérieuse, solide. Vous voyez par exemple Moïse. Moïse sera préparé au ministère pendant au moins 40 ans. 40 années de formation. 40 années de formation, mes amis. 40 ans de formation d'abord dans les arts militaires magiques de l'Égypte. Et puis 40 ans de formation comme un berger dans la maison de son beau-père, Amadja, Jétro. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que être homme de Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un travail qu'on peut même encourager quelqu'un à faire. Non, non, ce n'est pas facile. C'est un métier qui peut vous donner l'AVC. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que la plupart des hommes de Dieu ont des maladies cardiovasculaires. Parce que ce n'est pas facile. Vous voyez que le sort de Jésus-Christ est un peu l'emblème et le symbole de la vie des hommes de Dieu en général. Jésus-Christ est venu sauver le monde. Et ceux qu'il est venu sauver, ce sont ceux qui l'ont crucifié à la fin. C'est ça en fait la réalité de la vie des hommes de Dieu. C'est que les personnes pour qui tu te sacrifies aujourd'hui, ce sont elles qui vont fabriquer ta croix demain. Les personnes qui t'adulent aujourd'hui, c'est les mêmes personnes, c'est-à-dire qui disent aujourd'hui que tu es un ange, c'est les mêmes personnes demain qui diront que tu es un diable. Donc j'ai vécu tellement de choses, tellement d'expériences, mais Dieu m'a mis à cœur de partager cela avec une personne peut-être. Vous êtes en train de traverser des moments difficiles dans votre vie et peut-être que ce direct peut vous aider. Ça peut apporter la restauration dans votre cœur. Et je pense que ça serait pour moi une grande bénédiction. Permettez-moi, pendant qu'on y est, de pouvoir essayer de bouger.
Donc, bien aimé, nous avons tellement, on a tellement vécu des choses. J'ai vécu tellement d'expériences, tellement d'expériences, mes amis, beaucoup d'expériences. Mais vous devez savoir que chaque malheur qui arrive à votre vie, c'est juste pour vous former. C'est pour vous amener à être l'homme que Dieu veut que vous soyez, pour vous préparer à la grande destinée que le Seigneur a pour vous. Excusez-moi. Donc, comme je disais, le ministère, ce n'est pas pour les enfants. Du tout. Le ministère n'est pas pour les enfants. Le ministère, c'est pour des hommes faits, c'est pour des hommes matures, c'est pour des personnes que le Seigneur lui-même a préparées. Si Dieu ne vous a pas appelé au ministère, vous allez mourir avant votre temps. Ça, je vous le dis en vérité. Vous allez mourir avant le temps. Si vous n'avez pas été bien préparé au ministère, vous allez mourir avant le temps. Le ministère peut tuer. Donc l'église est une source de soucis en fait. C'est une grande source de soucis. Hier, j'ai commencé par raconter mon histoire avec mes bien-aimés, mes frères. J'ai dit que c'était en 2012, oui. En 2012, nous étions un groupe d'hommes de Dieu. Et dans ce groupe d'hommes de Dieu, je pense que j'étais le seul qui n'avait pas d'église ou qui était au début. Donc, en 2012, nous allons décider d'aller sur le mont Kolafamba. Nous sommes allés sur le mont Kolafamba pour chercher la face de Dieu. Nous étions dans le jeûne et dans la prière. Nous étions allés chez le prophète Martial Séné. C'était la première fois pour moi de le découvrir. Nous sommes allés là-bas. Et nous avons passé des moments dans le jeûne, dans la prière. Nous cherchons la face de Dieu. Et puis on priait, on a prié, on a jeûné et on adorait. On priait ensemble dans son salon. On se couchait à même le sol. On n'avait pas de lit. Et donc, nous avons décidé d'aller sur la montagne. Et comme c'est un homme qui aime tellement la prière, c'est un homme de Dieu qui aime tellement la prière. Alors, il a décidé de nous accompagner. Nous sommes allés ensemble avec lui sur la montagne. Et je pense qu'on devrait faire 7 jours, quelque chose comme ça. Et après, comme j'ai raconté hier, je pense que c'était le 3e jour, j'ai été visité par des anges sur le mont Kolafamba. C'est même pour cela qu'aujourd'hui, depuis cette année 2012, je n'ai jamais raté une seule année. Chaque fin d'année, je retourne sur cette montagne où tout a commencé. Pour dire au Seigneur, voici le bilan de mon année. Voici où j'ai échoué et voici où j'ai pas échoué. Et pendant des années, il y a eu des années où je suis arrivé sur cette montagne, le Seigneur m'a fait des remontrances, le Seigneur m'a fait des reproches par rapport à la gestion de sa maison. D'autres aussi, il m'a encouragé. Mais dans tous les cas, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 11 ans que je vais sur cette montagne. Chaque année, avant j'allais seul, chaque fin d'année j'allais seul. Je n'entrais pas dans une nouvelle année ministérielle sans aller sur cette montagne. Mais quelques temps après, le Seigneur m'a dit un jour, non, tu ne dois plus aller seul parce qu'il y a les brebis que j'étais déjà confié et plusieurs aimeraient aussi chercher ma face. Le Seigneur m'a dit désormais, il faut aller avec les gens. Demande ceux qui veulent aller au pèlerinage et va avec eux sur cette montagne où j'étais apparu, où je suis apparu. Donc, c'est depuis ce moment-là que j'ai commencé à mener les gens sur le mont Kolafamba. Et c'est devenu aujourd'hui une tradition chez nous qu'avant d'entrer dans une nouvelle année, nous allons en pèlerinage devant Dieu pour prier pour l'année suivante. Donc voilà, c'est donc sur cette montagne-là que nous sommes allés, on a prié. Et le 3e jour, moi je suis descendu, je les ai laissés parce que le Seigneur m'avait parlé. Et donc, malgré le fait que nous étions ensemble avec mes frères, ça veut dire qu'on était ensemble, on allait sur la montagne. On a prié la même prière. On a prié le même Dieu. On a invoqué le nom du même Jésus-Christ. Après cela, lorsque le Seigneur a commencé à me faire grâce
quelques miséricordes dans le ministère, à m'accorder de faire quelques petites réalisations qui ne sont rien à l'échelle mondiale de l'Église en fait. Mes frères qui ont commencé avec moi, qui avaient prié avec moi, qui ont vu ensemble, on est allé, on a vu le même lieu, invoquer le même Dieu, prier pendant des jours, ont oublié ce que Dieu m'avait dit sur la montagne, que je leur avais partagé. Ils ont oublié qu'ensemble on était allé chercher Dieu, qu'on a prié ensemble, et ou bien que je dormais dans leurs églises pour faire mes retraites spirituelles. Ils ont carrément oublié ça. Mes frères, ils ont oublié. Ils ont oublié ça. Et ce sont eux qui ont commencé à parler mal de moi. Ils ont commencé à entendre des calomnies venant même des gens qui étaient sur la montagne avec moi, disant que j'ai trempé, que c'est la sorcellerie. Je suis un sorcier parce qu'on ne peut pas expliquer que quelqu'un qui a commencé après puisse venir après et il devance les gens, il réalise des choses qu'on n'a pas. Et il est béni, il a des exploits dans sa vie, dans son ministère. Et ils ont commencé à murmurer contre moi et contre le Saint-Esprit qui avait accompli ces choses. Ces choses qui pour moi ne sont rien par rapport à ce que nous devons mériter devant Dieu, par rapport à ce que Dieu fait ailleurs. Ces choses-là qui n'ont aucune valeur même pour moi pour le moment. Parce que j'estime que je ne fais rien pour l'Église pour le moment. Et je prie tous les jours que le Seigneur m'aide. S'il vous plaît, mettons les cœurs, les pouces bleus. Donc, j'étais très marqué négativement. Parce que mes frères d'armes, mes compagnons d'armes du début, sont devenus des ennemis pour moi. Ou ils ont fait de moi leur ennemi. Ils se sont érigés en ennemis pour moi. Ils m'ont calomnié, ils m'ont saboulé. Ils ont dit du mal de moi, des choses méchantes. J'entendais toutes ces choses, mais je gardais le silence. Mais quand on se croisait, c'était « Oh non, grand, ça va? Comment tu vas ?» Et tout, moi aussi, c'est tranquille. Mais la chose ne faisait que devenir plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Mais je ne comprenais pas comment mes frères avec qui on allait prier, on est allé jeûner, on a cherché la face de Dieu. Et le Seigneur nous a fait grâce, puisque chacun a son ministère aujourd'hui. Mais parce que le Seigneur m'a accordé quelques faveurs, quelques ristournes de faveurs, c'est-à-dire quelques miettes de faveurs qui ne ressemblent en rien à ce que le Cameroun, l'église au Cameroun, ce que Dieu a prévu pour ses serviteurs au Cameroun. Mes propres frères avec qui on a cherché Dieu ont commencé à soulever les gens contre moi, à dire aux gens que je suis un sorcier, je ne suis pas un vrai serviteur de Dieu, je ne suis pas une bonne personne. Et un jour, j'étais tellement choqué par les choses qui étaient racontées, dites sur moi, par l'un de ses frères à moi, que j'ai pris une décision. Excusez-moi, la clim là c'est trop fort pour moi. Donc, j'étais tellement choqué d'entendre ce que mes bien-aimés disaient de moi. Je n'ai jamais calomnié aucun d'eux. Je n'ai jamais accusé aucun d'eux d'être sorcier et que Dieu m'en garde, qu'il m'en préserve. Je parle même de ça juste pour l'édification de quelqu'un et encourager un homme de Dieu qui a de vivre des choses comme celle-là. Ou ceux avec qui tu as été, ceux avec qui tu as commencé, ceux qui étaient tes amis d'hier, c'est riche en tes ennemis aujourd'hui. Prends le parti de tes ennemis pour faire du mal, pour te calomnier, te saboter. Ils ont sali mon nom partout, parlé de moi mal. Aller rencontrer d'autres hommes de Dieu pour parler de moi mal. Je ne les avais jamais insultés. On n'avait jamais eu de problème personnellement. Jamais. Je n'avais jamais manqué de respect à personne d'entre eux, ni pris l'argent de quelqu'un d'entre eux, jamais de la vie. Donc un jour, pendant que j'étais en train de penser à ces choses-là, mon cœur brûlait en moi-même. J'ai donc dit, ok. J'ai entendu que tel de mes frères, parmi mes frères, a dit telle chose. Alors j'ai pris la décision d'aller chez lui, à la maison. J'ai pris ma voiture. Je me suis renseigné, je l'ai appelé. Tu sais où il m'a dit qu'il est à la maison chez lui. Je lui ai dit que j'arrive. Je suis allé chez lui. Je me suis déplacé sur plusieurs kilomètres. Je suis arrivé, j'ai vu, sa maison s'est réjouie, on a prié ensemble, on a parlé. Et je pense qu'on avait même mangé ensemble, je crois. Il était très content, il m'a accueilli bien et tout ça. Et puis, je lui ai posé une simple question, la question qui dérange. Il dit, mon frère,
On a commencé le ministère ensemble. Toi et moi, là, on était inséparables. Il y a beaucoup de choses de moi au début que tu connaissais, que personne ne connaissait. Mais comment est-ce que j'apprends aujourd'hui que tu répands de la calomnie contre moi partout? Pourquoi tu me fais autant mal? Pourquoi est-ce que tu vas de lieu en lieu pour mal parler de moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Comment aujourd'hui tu dis que moi je suis un sorcier? Que j'ai trempé? Que le succès là, ce n'est pas normal? Quel succès même d'abord? Quel succès? Il y a des hommes de Dieu qui ont des jets privés. Nous, on a des vieilles voitures ici. C'est quel succès? Il s'agit de quel succès? Je lui ai dit, mon frère, je suis venu pour que tu me dises quel est mon péché et je demanderai pardon. C'est pour ça que je suis venu. Donc, il était dépassé en fait. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Et donc, il m'a simplement dit, oh non, vraiment, grand non. Moi, je n'ai jamais parlé de toi. Vraiment, je suis toujours avec toi de tout cœur. Tu sais, dès le début, j'ai toujours été avec toi et tout, et tout, et tout. Je savais que ce n'était pas la vérité, en fait. Je savais pas que c'était, je savais que c'était pas la vérité. Il dit, ok, d'accord, sans problème. Il n'y a pas de problème. Je suis allé rendre visite à un homme de Dieu, à un ami que j'ai invité à l'époque à l'église, chez moi. On était bien. Parfois, mais j'allais dans son église. Un jour, je suis allé le rendre visite. Je rends visite. Peut-être j'avais utilisé les toilettes. Après, j'ai appris quelques années après que son épouse a commencé à raconter aux gens que je suis allé chez eux là. Depuis que je suis rentré chez eux, les choses se sont gâtées ou les toilettes ont commencé à sentir ou quoi. Quelque chose qui n'avait ni tête ni queue. Pourtant, la femme là, on travaillait ensemble. Elle ne m'avait jamais rien dit. Mais par derrière, elle racontait des choses sur moi. Une prophétesse. Très, très bien connue au Cameroun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas chez les gens, en fait. Je ne vais pas chez les gens. Parce que si tu restes chez toi, tu n'auras pas de problème. On ne viendra pas dire non, il est entré chez moi, on ne dort plus bien, et tout cela. Et la sœur là, elle a commencé à me calomnier. Mais cependant, elle travaille avec moi. Parfois, quand elle avait un problème d'argent, elle me disait, prophète, pardon, ça ne va pas, les enfants n'ont pas mangé, les enfants ne sont pas allés à l'école, etc., etc. Et puis, je donnais l'argent. Mais mon argent n'était pas mystique. Mais c'est moi qui suis sorcier. Mon argent est sain. Moi, je suis sorcier. On dit en voulait que toi, Nyamata Sango, Tayaro Ako Sango. Si tu ne manges pas les viandes étouffées, comme le porc là, les viandes interdites comme le porc, les viandes impures, ne bois pas la sauce du porc. Si tu es musulman, tu dis pas, oh, je ne mange pas le porc. Je mange pas le porc, mais cependant, tu dis que je ne mange pas le porc. Tu pousses la viande de côté, tu manges le pain avec le bouillon du porc, tu bois seulement la sauce du porc avec du pain croustillant. Avant, tu vas dire, non, je n'ai pas mangé de porc. La sauce là est lourde comme ça, là. C'est la viande, là. C'est les miettes de viande, là, qui sont mélangées avec. Donc, la sœur travaille avec moi. La prophétesse, on travaille. Moi, je ne pouvais pas imaginer. C'est quelqu'un d'autre qui me dit, que, est-ce que tu sais que la dame là avec qui tu travailles m'a raconté telle chose? J'étais dépassé, mes amis. J'étais dépassé. Donc, j'ai compris qu'il y a des gens qui ont la capacité de sourire avec vous, mais ils creusent votre tombe, sans que vous ne le sachiez. Voilà pourquoi j'ai commencé à demander à Dieu de m'aider à être très prudent, être prudent. Les bien-aimés ont fait cela, ils ont répandu la calomnie, mais j'avais dit à Dieu, Seigneur, aussi longtemps que tu m'as appelé et que ta grâce est sur ma vie, tu te montres tes serviteurs. Je ne me lèverai jamais contre un homme de Dieu dans cette nation, ni dans aucune autre nation. Je ne mal parlerai jamais d'un homme de Dieu. Je ne calomnierai jamais un homme de Dieu. Je ne prendrai jamais mon pupitre pour venir, ma chair, à l'église pour venir descendre un homme de Dieu. Que Dieu m'en garde. Et jamais je ne ferai rien pour ternir l'image d'un homme de Dieu. Mais ceux qui se sont engagés dans cette œuvre, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Si ce n'est pas la frustration. Pourquoi? Parce que la fidélité du Seigneur est demeurée un bouclier pour moi. Parce qu'il connaît en fait le cœur de chacun d'entre nous. Il nous connaît mieux que quiconque. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, mais à partir du moment où nous savons que nous servons le Seigneur, je pense que c'est ça le plus important. J'ai traversé des moments tellement compliqués dans cette nation. Quand c'était un moment, quand on disait Kane Ferdinand, dès qu'on te voit seulement avec moi, tu es un sataniste. Dès qu'on te voit avec moi, tu es un sataniste, c'est fini. Maintenant, les gens là, personne ne pouvait venir dire que non,
voilà, je l'ai vu dans telle loge satanique ou bien non. Pas du tout. Mais pendant ces périodes-là, j'ai continué à travailler, à chercher le Seigneur dans tous les cas. Parce que l'histoire, c'est le plus grand témoin, le plus grand juge. L'histoire, le temps dit. Le temps dit qui est vrai, qui est faux, en fait. C'est ça le problème. Le Seigneur a commencé à me faire grâce, Aujourd'hui, la plupart de ces personnes-là sont revenues. Elles ont compris que, ah non. Non. Non, il faut faire attention. Beaucoup sont revenus me demander pardon aujourd'hui. Parce que on comprend qu'on est des hommes. Il peut arriver que la jalousie entre dans ton cœur, mais il ne faut pas te laisser faire. Ne te laisse pas entrer dans la jalousie parce que ça va te rendre malade et ça peut même te tuer. Ça ne sert à rien. La jalousie n'a jamais servi à personne. Donc être jaloux, c'est une fonction très risquée. Tu peux te faire un AVC pour rien. Parce que une personne que Dieu a appelée, ce n'est pas ta jalousie qui empêchera que le Seigneur fasse avec la personne ce qu'il a décidé de faire avec la personne. Donc les gens se sont rendus compte que non, mais le monsieur là, sa grâce là, notre haine n'a pas pu enlever cela, nos conspirations. Quelqu'un, une de mes soeurs, de mes filles m'a appelé un jour. Elle m'a dit, prophète, je suis dans une conférence des hommes de Dieu. Le thème, c'est prophète Kane Ferdinand, le révérend Dieu Kamdem. Les hommes de Dieu sont en train de demander ici comment ils vont faire pour vous renverser. Ils sont en train de dire qu'ils vont vous envoyer des jeunes belles filles pour séduire vos cœurs et puis vous faire tomber dans le péché. Elle m'a dit ça. Elle était là, elle est sortie, elle m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, voici ce qu'on est en train de dire sur vous ici. On est en train de dire que vous êtes un faux prophète. On doit vous renverser votre ministère là. C'est un faux truc. Il faut mettre ça par terre. C'est ça la vérité, mes amis. C'est ça la réalité du pays. Et les gens vont dire non, que moi je ne vais pas dans les associations de pasteurs. Il faut faire attention. Un jour, je pense que c'était en début d'année, j'ai reçu un groupe d'hommes de Dieu à la maison. Ils sont venus, chacun avait son problème. Ils voulaient que je prie pour eux et l'autre voulait que je célèbre son mariage. Donc ils sont venus et je les ai reçus dans tous les cas, sans aucun problème. Et dans mon salon, on s'est mis à parler. Je les ai écoutés attentivement. Ils m'ont parlé, ils m'ont dit non, vraiment, Dieu t'a donné le pays, Dieu t'a donné le Cameroun. On a vu une vision, vous êtes dans tel endroit, Dieu vous a donné la clé de la nation. Et puis l'autre dit, bon, je veux que vous célébrez mon mariage, c'est telle date, je veux que vous venez pour la célébration du mariage. Chacun d'eux m'a parlé des paroles mielleuses, des paroles doucereuses. Mais je ne me fie plus aux paroles doucereuses. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais au courant de tout le mal qu'ils disaient contre ma personne. Lorsqu'ils se rassemblaient entre eux, les jeunes prophètes et apôtres, évêques et tout ça, leur sujet favori de conversation, c'était Kane Ferdinand. Mais ils sont venus chez moi comme si de rien n'était. Si je ne connaissais pas ce qui se passait, alors je me serais laissé embobiner, tout simplement. Parce que l'hypocrisie dans l'église aujourd'hui a dépassé les normes requises. C'est-à-dire que ça a dépassé les normes requises. L'hypocrisie dans l'église a dépassé l'hypocrisie dans le monde. Les chrétiens sont hypocrites. Quelqu'un, ce qui sort de sa bouche, c'est le contraire qu'il dit dans son cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand je prie à l'église, quand je dis prier pour moi, quand on finit de prier, je dis qu'il soit rendu à chacun 7 fois selon ce qu'il a prié pour moi. C'est aussi une protection parce que parmi là, tu peux être en train de prier comme ça, tu peux recommander mon voyage. Quelqu'un est en train de prier que son avion crache même au nom de Jésus. Seigneur, son avion, je coupe la queue de son avion, je coupe les ailes de son avion, je gorge la tête de son avion. Seigneur, il ne reviendra pas ici. C'est ça que quand moi, j'ai de prier pour moi, à la fin, je dis toujours au nom de Jésus de Nazareth, qu'il te soit rendu cette fois ce que tu as demandé. Ouais. Donc, il faut faire attention. On a vécu ça. Donc, ils sont arrivés à la maison et puis ils m'ont parlé. Quand ils ont fini de me parler, je leur ai dit que, écoutez, toi d'abord, toi, tu as failli m'empoisonner. C'est toi qui allais voir une soeur pour proposer l'argent pour m'empoisonner. Et tu as voulu que je te reçoive après cela. Je suis resté dans le silence pour voir. Après ça, tu m'as écrit, tu m'as insulté. Et aujourd'hui, tu oses venir me voir pour me dire que non, Dieu est avec moi, que Dieu m'a donné le Cameroun. J'ai dit, alors toi aussi, j'ai appris tout le mal que tu dis de moi. Vous êtes dans une association de pasteurs comme ça, et toi tu avais dit comme ça sur ma personne, tel a dit comme ça contre moi, et vous osez venir chez moi, me demander de venir prier pour vous. Je lui ai dit, je ne suis pas hypocrite, et je ne marche pas avec les hypocrites. Et en plus j'ai appris
les magouilles que vous faites dans votre groupe, lorsque les gens viennent vous demander qu'on soutienne les cartes d'identité dans les poches, dans les portes, dans les sacs à main des femmes, ils t'amènent ça toi, on amène ça dans ton bureau. Et tu prends ça, tu mets dans ta chaussure. Quand tu sors maintenant de ton bureau, tu arrives à l'église, tu dis, aïe, je sens quelque chose, je sens quelque chose. Il y a quelqu'un ici, il y a une femme ici qui a perdu sa carte d'identité. Tu es venu le matin avec ta carte d'identité, mais tu l'as perdue. Fouille ton sac. Et les gens fouillent le sac, ils fouillent le sac. Et la femme dit, oui, j'ai perdu ma chaîne. La pauvre ne sait pas que c'est un membre de l'église, un membre du comité du pasteur qui a soutiré sa chaîne. Et maintenant, avec la scène, il sort. Il dit, ta scène est perdue, oui. C'est perdu, oui. Est-ce que je peux te retrouver ça? Oui. Il dit, chakaraba, chakaraba. Bam! Il tend son pied. Il dit, retire la chaussure. La dame retire la chaussure. Il dit, tu vois quoi? Fouille dedans. Elle voit sa scène. Et l'église a écrit, wow. Mais l'église ne sait pas qu'elle a été trompée. Je lui ai dit que je connais ça. Ça m'a été rapporté. Je sais aussi que les gens arrivent chez vous là, ils remplissent des fiches d'information. C'est ça qu'Arema, j'ai défendu même sur les fiches de malades là, qu'on met les noms des gens. Si vous remarquez les fiches de malades chez nous, on ne met pas les noms des gens, ni nom, ni prénom. Non, on met seulement la maladie. Pourquoi? Parce que quand tu vas prophétiser, on va dire qu'il a lu sur la fiche. Je lui ai dit que vous bûchez les informations sur les gens dans vos bureaux et quand tu sors, tu dis que tu prophétises. Moi, je ne m'associe pas à ce genre de choses. Et c'est à cause de cela que beaucoup sont persuadés que nous sommes des faux prophètes. Qu'est-ce qu'on fait dans les églises, là, c'est des arrangements. Parce que justement, il y a des gens qui font des arrangements. Et ça devient tellement compliqué. On ne peut pas faire la différence entre celui qui fait un arrangement et celui qui est réellement appelé par Dieu, utilisé par le Saint-Esprit pour la gloire de Jésus-Christ. Et donc, je ne peux pas me mêler à ça pour éviter la confusion. Je ne peux pas me mêler à cela. Ouais. Donc, je leur ai dit que je ne peux pas venir. Je ne peux pas célébrer le mariage là. Je ne peux pas m'associer à vous parce que vous n'êtes pas sérieux. Vous salissez le nom, vous salissez la réputation des hommes de Dieu du Saint-Ministère au Cameroun. Et puis ils sont partis, je les ai congédiés. Ouais. Donc, il y a tellement de choses comme celle-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les associations des pasteurs, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. C'est pas des choses spirituelles, c'est des choses humaines. Ah non. Moi, je suis un tishbite. J'ai toujours fonctionné bien. Et dans la vie, il ne faut pas s'associer à n'importe qui. Il y a les bonnes associations, il y a les mauvaises associations. J'ai appris à être sélectif et ces derniers temps, je me suis encore efforcé à être encore plus sélectif qu'avant. Et jusque là, c'est pas assez. Il y a encore des choses qu'il faut arranger. Il y a des choses qu'il faut, absolument revoir. Donc, vous voyez, on a donc commencé le ministère. Nous, on a commencé le ministère en 2012. En 2012, que le Seigneur m'a dit, lève-toi et commence. À cette époque, donc, il y a un frère qui va venir me voir. Il dit que le Seigneur l'a envoyé chez moi. Il est venu, un jeune frère. Et puis, je lui ai demandé, est-ce que tu joues à la musique? Il a dit qu'il est un batteur. Il dit, ok, toi, tu vas jouer dans la batterie. Il était dans notre batteur. Après, il nous a amené un de ses amis, qu'on appelait Mvogo. Donc, lui, et c'était son ami intime. Les deux sont donc venus. Quand ils sont arrivés, j'ai vu le Mvogo en question et puis j'ai dit, waouh, ça c'est bien, ça c'est quelqu'un. Je l'ai beaucoup aimé. Et puis, je l'ai nommé pasteur résident. Il était mon adjoint dans tous les cas. À l'époque, on avait une seule église. On n'avait pas encore les églises dans tout le Cameroun et à l'étranger. Donc, on avait une seule assemblée. Il était le pasteur résident. Là, il était un peu comme le révérend Bassam aujourd'hui. À l'époque, le révérend Bassam était déjà là, mais il était encore dans la foule. Il n'était pas encore pasteur. Et ce Mvogo va donc avec son ami là. D'abord que son ami m'a d'abord fait le problème. Que comment tu peux, je peux t'amener quelqu'un, tu le nommes pasteur résident et moi je ne suis pas nommé. Bon, je lui ai expliqué ce que je pouvais expliquer. Donc ce pasteur assistant à moi, Mvogo, un jour donc il m'appelle, il me dit que il a convoqué les anciens. Il dit que il a convoqué réunion, le discernement prophète. J'ai appris quelque chose de vous aujourd'hui. Vraiment, à chaque fois, je vais leur souhaiter le même vœu. Ok, amen. Donc, mon pasteur assistant, mon fils,
m'appelle. Il m'informe qu'il a tenu une réunion avec les leaders et qu'il a pris les leaders. Il les a amenés dans l'église d'un homme de Dieu, Angusso. Il paraît qu'il y avait un jeune homme de Dieu là-bas. Ils ont vu les gens venir, des centaines de gens. Parce qu'à l'époque, nous, on était peut-être environ 100 personnes. Il dit qu'ils ont, non, peut-être 100 ou 500, on atteint parfois les 500. Il dit que, ou 700 même. Il dit qu'on a vu la foule, des milliers de gens se rassembler à côté d'un jeune homme, célibataire en plus. On a vu la prophétie, le gars prophétise, c'est même pas ce que toi tu fais ici. C'est-à-dire, mon pasteur, mon fils me convoque à la réunion avec les anciens. Je ne sais pas ce qu'il avait dit aux anciens. Je ne sais pas comment il avait fait pour prendre la tête des anciens. Mais il les a convaincus que moi, je n'ai pas l'onction. Que je ne suis pas ouin. Mon fils, que j'ai nommé pasteur résident, il me convoque à la réunion. Et je suis allé. Je suis allé à la réunion, je suis parti. Quand je pense à certaines choses... Aujourd'hui, tu ne peux pas tenter de faire ça, mon ami. Tu tentes de faire ça, tu vas regretter ça toute ta vie. Donc, je vais à la réunion, mon fils me convoque au conseil de discipline. Excusez mes amis. Donc, mon fils, pasteur, résident, convoque le superviseur général au conseil de discipline. Il me dit de venir, qu'il a convoqué le conseil de discipline. Et donc, je dois venir m'asseoir au conseil de discipline. Je suis allé, mes amis. Je suis allé au conseil de discipline. Gloire à Dieu, on m'appelle excommunié là-bas. Donc, j'arrive, je trouve d'abord les anciens. Et il est assis en grand, très orgueilleux, imbu de sa personne. Il est assis, il me dit, assois-toi, papa. Non, il me dit, assois-toi, prophète, quelque chose comme ça. Je m'assois. Je ne comprends rien. Je suis dépassé. J'ai déjà la convocation, oui, c'est l'apôtre Joshua. C'est ça, homme de Dieu. Convocation pastorale. Et je suis à la convocation pastorale. Il me dit, assois-toi, je m'assois. Mes amis, je ne comprends rien à rien. Je vois les leaders là, ils ont des visages fermes, sombres, comme des gens qui attendaient un adversaire dans le ring. Je suis arrivé, je me suis assis. Et donc, mon fils qui préside la réunion prend la parole. Il dit oui, en tant que pasteur résident, parce qu'il va dire qu'avant ça, j'avais coupé leur salaire. Parce que les gens me disaient à l'église que papa, méfiez-vous. Vos collaborateurs ne vous aiment pas. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas vrais envers vous. Et moi, je me demandais qu'ils ne sont pas vrais. Comment c'est qui? Et les brebis avaient peur de me dire. À chaque fois, je demandais toujours qui n'est pas vrai. On me dit, papa, faites attention. Vos collaborateurs ne sont pas vrais avec vous. Ils conspirent contre vous. Et je leur demande qui? Donnez-moi les noms. Personne ne me donne les noms. Un samedi, donc, je suis allé m'enfermer dans ma chambre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ici. Si tu ne me révèles pas parmi mes leaders qui est hypocrite, qui veut ma mort, je ne sors pas de ma chambre, je veux mourir ici. Et donc, je suis resté dans ma chambre enfermée. J'ai prié. À un certain moment, le Seigneur a eu pitié de moi. Il est venu à moi. Le Seigneur m'a dit dans ma chambre, il m'a dit, écoute, lève-toi. Dimanche, demain, quand tu vas arriver à l'église, en plein culte, excommunie tous les leaders, tous tes collaborateurs. Dit qu'à compter de la date de la signature du présent décret, tous mes collaborateurs qui étaient assis devant les brebis, sur des places d'honneur, vont s'asseoir maintenant dans la foule. Le Seigneur m'a dit, va faire ça. Fais ça. Et ne leur donne pas l'occasion de parler. Dis simplement ça, qu'ils aillent s'asseoir dans la foule. Après le culte, tu sauras qui est avec toi et qui est contre toi. Voilà comment ça avait commencé. Parce qu'avant ça, j'avais coupé les salaires. J'avais arrêté les salaires parce que l'église ne produisait pas assez pour résoudre les problèmes du ministère lui-même d'abord. Donc, et puis, mon fils là était venu me voir pour me dire, mais attends, tu oses couper mon salaire comment? Je lui ai dit, non, mon ami, attends, même mon propre salaire, j'ai coupé. Alors, il faut te raison ton salaire à toi. Moi, que Dieu a appelé pour ce ministère, moi-même, je n'ai plus de salaire. J'ai arrêté mon salaire pour qu'on puisse résoudre les factures de l'église. Donc, c'est après cet événement
que les gens commencent à me mettre en garde et que je suis allé devant Dieu et que Dieu m'a dit, mets-les tous dans la foule, excommune-les tous. Si tu te demandes pourquoi, ne donne aucune raison, envoie-les tous dans la foule et tu sauras, les cœurs se révéleront après cela. Et donc, je suis arrivé le dimanche matin, très gentil là, j'ai fait le culte et tout ça. Avant de faire la prédication, j'ai dit, ok, j'ai une annonce que je vais passer à l'église. À compter de maintenant, tous les leaders qui sont assis devant ici, vous êtes excommuniés, allez vous asseoir dans la foule. J'ai dit, maintenant, ça prend effet maintenant. Ils ont pris leurs affaires, très nerveux, très fâchés. Un leader que tu punis, qui se fâche, chasse-le de ton église. C'est un bandit, des grands chemins. C'est un déloyal. Chaque enfant que tu punis et il se fâche contre toi, chasse-le. J'ai un de mes fils qui m'a écrit qu'il partait dans une de nos églises, visiter une de nos églises. Il est allé là-bas. Il a visité cette église. J'ai appelé là-bas. Les choses que j'ai commencé à percevoir dans mon esprit concernant sa présence dans cette église-là n'étaient pas bonnes. J'ai appelé le pasteur de cette église pour lui demander « Est-ce que tout va bien ?» Il m'a dit « Tout va bien. » Il ne m'a pas dit la vérité. Et donc finalement, j'ai demandé à mon fils là de revenir sur Yaoundé. Je lui ai dit de rentrer. Il n'est pas rentré. J'ai rappelé le pasteur de notre église là-bas. Il m'attend. J'avais demandé que tu dis à tes révérends de revenir sur Yaoundé, non? Il dit oui. Pourquoi il n'est pas là? Il dit non, il a décidé qu'il va revenir à la réunion des pasteurs. Il dit pardon? Il dit oui, il a décidé comme ça. Je n'ai rien dit, je suis resté tranquille. Et donc, ce révérend, mon fils là, il est revenu donc à Yaoundé en son temps. Quand il revient à Yaoundé, il ne m'appelle pas pour dire « Papa, je suis rentré ». Il ne me crie pas pour dire qu'il est revenu. Il ne vient pas me voir à la maison pour dire « Papa, voilà, j'étais là-bas, voici le compte rendu ». Rien. Il ne met pas ses pieds à l'église. Il ne faut qu'un signe. Rien, rien. Le temps passe, j'observe. Je me rends compte qu'il y a un problème, quelque chose ne va pas. Je l'appelle au téléphone. C'est moi qui l'appelle. Je lui dis « Attends, mon ami ». Tu es mon fils. Tu pars en mission quelque part, avec ma permission. Je t'ai dit de revenir. Un, tu désobéis, tu reviens en ton temps. Et tu arrives, tu ne mets pas les pieds à l'église. Tu ne m'écris pas pour dire que je suis rentré. Tu ne m'appelles pas pour dire que je suis rentré. Tu ne viens pas à la maison me rencontrer. Je suis rentré. Il me dit qu'il a mal aux pieds, qu'il a la maison chez lui. Je lui dis donc, depuis que tu es rentré, tu es couché dans ta chambre. Tu n'es jamais sorti sur la véranda de ta chambre ou bien aller acheter quelque chose. Il dit oui, je savais qu'il mentait. J'ai dit, ok, d'accord. Là, il est allé loin. Il est allé très loin. Je dis souvent aux gens qui m'entourent, moi, j'ai mes lignes rouges. Si tu traverses ça, on va se séparer. Donc, le culte qui venait, je l'ai libéré, tout simplement. Il est libéré. J'ai dit qu'il part faire son ministère. Il n'est plus membre parmi les pasteurs de la congrégation baptiste camerounaise, la paroisse, pour ce missionnaire Emma. Ce n'est plus possible. Tu ne peux pas mépriser ton père. Moi, je n'admets pas ça, mes amis. La déloyauté, tu es déloyal envers moi, on va se séparer. Tu me manques de respect, on va se séparer, même si tu es qui. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas mépriser quelqu'un qui a prié pour toi, dont le manteau te bâtit devant Dieu. Quelqu'un qui contribue à ton bonheur. Attends, pourquoi? Parce que tu as mal agi. Et que le dit révérend, il prie, il demande l'argent aux gens pour la prière, mes amis. Moi-même, je ne le fais jamais. Je ne l'ai jamais fait. Que pour prier sur quelqu'un, je viens d'abord me donner des fils qui ne respectent pas leur père, qui ne respectent rien du droit de la paternité, aucune science de la loyauté envers leur père. Non, mes amis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, j'étais en train de raconter encore quoi là, avant d'arriver sur cette parenthèse-là, quelqu'un me rappelle ça, s'il vous plaît. Je tente de dire quoi, là? Je tente de raconter quoi? Donc, je n'admets pas ça. Non, non, je n'admets pas ça. J'ai connu des trahisons horribles, mes amis. Des trahisons horribles, inhumaines. Mais j'ai survécu à ça parce que je suis un guerrier. J'ai été formé à cela. C'est pour ça que j'ai dit une chose. Un homme de Dieu qui a un cœur fragile va mourir vite. Tu vas mourir tôt.
Un homme de Dieu qui veut toujours... Ah, pourquoi on a dit ça de moi? Pourquoi? Non, non. Au contraire, on doit parler de moi. Quand on ne parle pas de moi, là, ça dit que je ne vais pas. Je vais dans la prière pour demander à Dieu s'il m'a abandonné. Mes ennemis doivent parler de moi. Je me suis habitué tellement à la haine, à la calomnie, aux médisances et toutes ces choses que sans ça, maintenant, ma vie n'est rien. Je suis tombé amoureux de ça. Sans ça, ma vie n'est rien. J'ai besoin de mes ennemis. J'ai compris qu'ils sont aussi au service de mon développement. Ils sont au service de mon succès. Ils sont au service. Ils contribuent à bâtir l'homme parfait que Dieu veut que je sois. C'est important d'avoir des personnes qui ne vous aiment pas. Comme c'est important d'avoir des personnes qui vous aiment. Ouais. Donc, on a vécu toutes ces choses, mes amis. Voilà, merci. Donc, le pasteur assistant, mon pasteur assistant m'a donc convoqué. Et puis, je suis arrivé ce jour-là à la réunion. Donc, quand j'ai excommuné tout le monde là, après le culte, donc, ils sont venus me voir. Ils m'ont demandé, mon pasteur résident en tête, ils m'ont demandé que pourquoi tu nous as excommunés. Ils me demandent, pourquoi, par quelle autorité tu m'excommunies? Écoutez ce qu'un fils demande à son père. Il me demande à moi que par quelle autorité tu m'excommunies? Je lui ai répondu, par la même autorité dont j'étais établi pasteur. Ce n'est pas deux autorités différentes, c'est la même autorité. Et là, bam! Tous les mécontents se sont rassemblés autour de lui. Et j'étais assis après le culte comme ça. L'un d'eux est venu me voir. Il m'a dit, on va détruire ton ministère là. Ça va mourir dans 2 semaines, on te donne 2 semaines. Et c'était un notable dans la chefferie du quartier. Et la salle que nous occupions, c'était la salle du chef de quartier, le chef de quartier, qui nous louait cette salle-là. Et donc, maintenant, quand il venait au culte, après le culte, il partait chez l'ancien là. Mon fils dont je parle, c'est un homme qui était mourant. La boisson l'avait détruit, sa vie était complètement détruite. Son mariage était en train de divorcer. Je suis arrivé dans leur vie, dans leur maison. J'ai prié avec eux. Le Seigneur l'a guéri, Dieu l'a délivré du tabac, de la fumée. Et s'est réconcilié avec sa femme et leur foyer était fleurissant. Leurs activités ont recommencé. C'est un tel homme qui prend dans sa maison tous ceux qui sont mécontents contre moi, les rebelles du ministère, pour conspirer contre moi. Et c'est lui qui veut me dire que dans 2 semaines, on va faire tomber ton ministère. Et après le culte, il parle aux brebis que c'est un sorcier, c'est un adultère. C'est un mauvais pasteur, c'est un faux gars, c'est un faux type. Il pratique la sorcellerie. Ceux qui étaient avec moi. Je leur ai dit que mes frères, donc quand tout allait bien entre nous, je ne pratiquais pas la sorcellerie, vous j'étais avec. C'est parce que je vous ai puni, j'ai coupé les salaires, que maintenant, vous avez vos yeux sont ouverts, j'ai passé à la sorcellerie. Ou bien depuis on pratiquait ensemble, mais seulement vous cachez parce que vous gagnez aussi quelque chose dedans. Je leur ai dit que pour moi, le ministère, là, il faut savoir, hein, ce n'est pas une entreprise, c'est la maison de Dieu. Et la priorité, c'est le ministère des brebis. Donc voilà comment ils faisaient les réunions là-bas chaque fois. Quand finissait le culte, la voiture de mon résident là était garée devant la maison de l'ancien avec tous les leaders qui étaient là-bas. Alors un jour, ça commençait à me tracasser. Il me faisait du mal, mes amis. Il me calomniait après le culte. Il se mettait devant l'église pour dire que je suis un mauvais pasteur. Je suis un faux prophète. Eux, ils vont ouvrir leur église. Ils ont commencé. Ils évangélisaient dans l'aquarium, mon frère, dans la bergerie. Ils ont commencé à me saboter, à mal parler de moi, à l'église où j'étais. Je n'avais pas de pouvoir. Mais je ne connaissais pas le nombre exact de ceux qui étaient soulevés contre moi parmi les leaders. Et donc, je suis allé en prière. J'ai demandé au Seigneur, révèle-moi la face de tous ceux qui conspirent contre moi, tous ces leaders-là. Seigneur, qu'est-ce qu'ils disent dans leur réunion? Non, c'était ça la première prière. Seigneur, qu'est-ce qu'ils disent dans leur réunion? La voiture était du garé, tous étaient là. Je ne savais pas qui était là. Qui n'était pas là, d'autres jouent à double jeu. Mais j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qu'ils disent dans leur réunion? Seigneur, je veux entendre ce qu'ils disent. Et ma prière était sincère. Et je n'ai jamais prié sur un sujet sincèrement. Et mon Dieu ne m'a pas fait grâce. Et je lui suis reconnaissant pour cela. Et dans ce jour-là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que la nuit, pendant que je dors, le Seigneur a pitié du moindre que je suis, du vermisseau, d'entre les 10 milliers, du plus petit de tous ses serviteurs, du misérable de tous. Du chien parmi tous, du ver de terre que je suis. Dieu a eu pitié de moi. La nuit, pendant que je dormais, je fais donc une vision. Dans la vision, le Seigneur me dit, ok, tu veux savoir ce qu'ils disent de toi dans leur réunion? J'ai dit, oui, Seigneur, il m'a amené dans leur réunion. Il m'a fait entendre leur réunion.
Et dans la réunion, il disait, le pasteur Régional demandait au notable là, qui était sous là, vous vous souvenez, et que j'avais prié, Dieu avait restauré sa famille, qui m'avait dit qu'il me donne 2 semaines, ils vont me saboter au point où l'église va se vider. C'était son frère qui était chef du quartier qui m'avait loué la salle. Ils avaient dit dans la réunion qu'ils vont aller donc voir le chef du quartier pour qu'il m'expulse de la salle. Comme ça, je n'aurai plus de salle. Eux, ils vont utiliser la salle là pour l'église. Et ils disaient que leur ministère sera appelé ministère de la victoire. Et je me suis réveillé. Donc, je savais, j'avais l'information du Seigneur qu'on allait m'expulser, que le bailleur allait m'appeler pour m'expulser. J'avais aussi l'information du Seigneur qu'ils allaient commencer leur église dans la même salle où j'étais. Qu'ils allaient nous chasser et commencer l'église dans la même salle. Et donc, j'ai commencé à chercher une autre salle. Voilà comment on aura l'agence Le Car à Omnisport. Quand on a l'agence Le Car, c'était peut-être le deuxième jour après, on avait eu l'agence Le Car à Omnisport. J'ai payé, j'ai versé 500 000 là-bas pour louer ce local. Le troisième jour, le chef de quartier m'appelle, le bailleur. Quand je prends le téléphone, je connais déjà pourquoi il m'appelle. Et je lui dis oui, allô. Il dit oui, bonjour, c'est le prophète Kane. Je dis oui. C'est le pasteur Kane. Je dis oui, c'est moi. Il dit d'accord, s'il vous plaît, je veux que vous libériez ma salle. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit non, non, il faut libérer parce que quelqu'un m'a proposé mieux. Mais je lui ai dit que, monsieur le bailleur, nous on a encore 3 mois dans cette salle. Notre loyer, notre contrat de location n'est pas encore fini. L'argent que vous avez versé, on a encore 3 mois de consommation. Il a dit non, non, il faut libérer. J'ai dit ok, on va libérer, mais après les 3 mois. C'est après 3 mois, 2 mois. Il a dit d'accord, on a raccroché. Voilà comment nous on est allé à l'agence Le Car. À l'agence Le Car où j'ai fui mes frères, mes fils, mes enfants, ils venaient après le culte s'aligner à la sortie de notre culte pour distribuer les tracts de leur église. Et un jour, on m'a amené le tract. C'était le ministère de la victoire. D'après la parole que l'Éternel, mon Dieu, m'avait révélée. Donc, avant qu'on arrive à ce point-là, un jour, j'étais à la radio de l'OSFM, la 91.5, pour ceux qui ne la connaissent pas dans la ville, elle les met dans le centre. Et donc, j'étais à la radio, j'étais brisé, mes amis, je demandais comment l'homme peut être aussi méchant. Il me maudissait partout. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je t'en prie, je veux connaître les visages de ceux parmi mes leaders qui disent du mal de moi, qui me font autant de mal, qui veulent ma mort, qui me détruisent, qui veulent me détruire. Seigneur, je veux les voir. J'étais à la radio. Pendant que j'étais couché sur le matelas, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ce terme. Tu veux voir leur visage? Je te montrerai leur visage, car voici, ils sont en route pour ici. Ils te diront des paroles mielleuses, mais ne les écoute pas. Ne les écoute pas, parce que leur cœur ne sera pas vrai envers toi. Et le Seigneur m'a dit, voilà les pas de leurs pieds. À peine le Seigneur me parlait que j'ai entendu les escaliers, que c'était les escaliers en bois. J'ai entendu un grand nombre de personnes monter. Dieu avait rassemblé tous les leaders déloyaux pour que je voie leur face. Ils sont venus par eux-mêmes. Ils sortaient d'une réunion chez une des mamans en qui j'avais confiance, mes amis. Une des mamans qui m'apportait de la nourriture à la maison, qui était parmi les mamans, mais qui venait préparer à l'époque chez moi parce que j'étais célibataire encore. Vous voyez? Donc, ce qui va se passer, c'est que tous, après leur réunion, décident de venir me voir. Ils sont venus me voir, pourquoi? Parce que j'avais appris en journée qu'il y avait un coup d'état prophétique. Et je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le coup d'état prophétique. Moi, c'est la première fois. C'était un coup d'état prophétique. Ça veut dire qu'ils avaient décidé que les dimanches qui devaient suivre, pendant le culte, ils allaient neutraliser. Ils allaient neutraliser mes gardes du corps et neutraliser ceux, les techniciens, ceux qui étaient en charge des micros et tout ça. Et prendre le micro et m'excommuner en plein culte et me chasser de l'église en plein culte. Et ils avaient dit ça en secret. Mais il y avait l'un d'entre eux qu'on appelle Georges qui est allé appeler une de mes filles à l'époque qui était loyale, qui est devenue déloyale par la fin, qui était la directrice générale de la radio de l'OSFM. Il va donc, ce Georges-là va donc appeler la sœur-là. Et il va dire à la sœur que, écoute, il y a un coup d'état prophétique que nous sommes en train de préparer contre le pasteur Ekane. Parce qu'à l'époque, j'étais encore dans le ministère pastoral, contre le pasteur Ekane. Donc dimanche, voici le plan.
On va neutraliser le protocole, la sécurité. On va neutraliser les responsables. C'était, voilà, c'était mon 6 avril. C'était mon 6 avril prophétique, mes amis. Donc, les autres, ils vont neutraliser ça. Ils vont neutraliser les appareils, etc. Et puis, comme ça, ils vont m'excommuner, me chasser de l'église. J'étais à la maison chez moi, j'étais couché à l'époque, j'habitais en Kouaba. Mes amis, le sommeil quittait, j'étais fatigué. Le sommeil est quitté. J'ai pris ma voiture, dada, comme on dit au Cameroun. Rapido, rapido. Je suis allé à la radio. J'ai dit spécial émission. J'ai dit à mes enfants là-bas, spécial direct, on a lancé un direct spécial. Édition, coup d'état. Et donc, j'ai dit les questions que la journaliste devrait me poser. Et donc, la journaliste me pose la question, révérend prophète Kané Ferdinand, mon pasteur, on a appris qu'il y aura un coup d'état dimanche. Et tous mes ennemis là, tous les opposants là, ceux qui étaient dans l'opposition, ils étaient à l'écoute de toutes mes émissions. Ils étaient scotchés. Oui, on a appris que dimanche, il y aura un coup d'état à l'église. Il paraît qu'il y a des opposants, des gens de partis d'opposition ecclésiastique qui ont décidé qu'ils vont neutraliser les appareils. On va neutraliser votre sécurité. Ils vont prendre contrôle du culte. Ils vont vous faire le procès en public et ils vont vous excommunier devant tout le monde. Est-ce que vous êtes au courant? Je dis, ah oui, oui, nous sommes au courant parce qu'il y a eu une fuite. Il y a eu une fuite d'informations dans le groupe du parti d'opposition. Et nous sommes au courant que dimanche, il y aura un coup d'État. Un coup d'État qui est préparé, un coup d'État ecclésiastique et prophétique qui est en cours de préparation. Nous sommes au courant de cela. Mais je voudrais rassurer tous les membres du parti d'opposition et que nous sommes au courant et que nous prenons des mesures drastiques par rapport à cela et que la police est déjà mise en exergue, qu'elle a été déjà contactée. Elle sera là dimanche et qu'une plainte est déposée contre X. Il suffit X là, ça veut dire que nous attendons juste les visages pour mettre les visages sur et les noms sur le X, pour enlever le X, on met seulement le visage et les noms. Donc tous les responsables seront arrêtés. Ce dimanche-là, ils seront menés en cellule et tout. Frère, je n'étais pas allé à la police. Hein. On avait posé zéro. Il y avait zéro plainte qui était posée, mes amis. Donc, on a contre-attaqué, mes amis. Quand on attaque, on contre-attaque comme ça. Et d'entre eux, ils commencent à s'appeler. Mais c'est comment? Il a fait comment pour connaître? Bah, qu'il y aura coup d'état dimanche et tout. Qui allait faire? Et c'est là que ce Georges va donc leur dire que non, moi je suis allé aussi recruter la directrice de sa radio. C'est elle qui allait trahir chez lui. Ils se sont fâchés contre lui, que tu es un traître, etc. Le Georges en question était venu me demander pardon. Il m'avait dit que c'est un Vogo, qui était son ami, qui était le chef bandit, c'est-à-dire contre ma personne, que c'était un sorcier. Il devait me demander pardon. Donc voilà comment Dieu a délivré votre prophète du coup d'état. C'est que maintenant, si j'étais en Conégui, ou bien alors peut-être on m'avait fusillé, ou bien exécuté, il est passé par le peloton, où on m'aurait guillotiné déjà. Je ne serais pas en vie aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que le Seigneur n'a pas permis que le coup d'état puisse avoir lieu et m'a maintenu au pouvoir. Ouais. Donc, il m'a maintenu au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui va se passer par après, c'est que eux, ils vont donc, le bailleur, ils vont prendre la salle où j'étais et vont commencer à faire leur église là-bas. Mais ils ne savaient pas que j'avais laissé une malédiction dans cette église. Ils n'avaient pas su que j'avais fait une prière. Ils avaient commis une grave erreur. Ils étaient très, très naïfs. Ils étaient trop naïfs. Ils ont dit aux gens du quartier que ça, c'est un sorcier. Nous, on va commencer notre église. Vous allez voir là comment l'église est. Vous allez voir comment l'église, on fait la vraie église. Maintenant, nous, quand je faisais culte à l'époque-là, à cette époque-là, on avait des débordements. Les gens étaient débordants jusque dans les vérandas des gens. Sur les vérandas. À l'époque, j'avais un pasteur. Parmi mes pasteurs toujours, lui, il était chargé de suivre les nouveaux convertis. Lui, il était le pasteur des nouveaux convertis. Donc, il devait préparer les gens au baptême. Et j'ai remarqué que tous les nouveaux convertis qui venaient à l'église disparaissaient. Tous venaient et ils disparaissaient. Les nouveaux convertis viennent un dimanche, deux dimanches, tu ne les vois plus. Les nouveaux convertis ne faisaient que disparaître dans l'église. L'église ne grandissait pas. L'église se remplit aujourd'hui, demain, ça se vide. Un jour donc, il a organisé une fête chez lui. Il a dit qu'il avait une fête, il ne serait pas là à l'église.
Et j'ai quand même demandé à quelques frères d'aller assister à sa fête, mais ils ne savaient pas que le frère allait venir. Quand les frères sont arrivés à sa fête, en fait, il était en train d'inaugurer sa part de ministère avec les nouveaux convertis que je lui avais demandé de prendre en charge. Tous ces nouveaux convertis disparaissaient chez moi et réapparaissaient dans sa maison, dans son salon. Voilà jusqu'où l'homme est capable d'aller. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, ces fils-là, ils ont commencé, ces fils déloyaux, ils ont pris une antenne dans une radio. Tout leur message, c'était un prophète de Canaan Ferdinand, faux prophète. Ah nous, on était avec lui. C'est un marabout, c'est un sorcier. Ils n'avaient pas un message d'évangile. Leur message était devenu leur évangile. Les gars-là m'ont poursuivi partout dans Yaoundé. Alors, le piège qu'ils ne connaissaient pas que j'avais laissé dans la salle là-bas, c'est que le pupitre, là, l'hôtel, là, c'est moi qui l'avais bâti. Et il y avait le, comment on appelle ça, le pupitre, où on pose la Bible là. C'est moi qui avais fabriqué ça. Et en partant, j'avais dit à Dieu, Seigneur, s'il est vrai que tu m'as appelé et que c'est moi qui ai bâti cet hôtel, que cet hôtel soit un jugement contre eux. Et je suis parti. Normalement, il ne devrait pas se tenir sur l'hôtel là. Pour un enfant qui est sage, il ne devrait pas. Il devait détruire ça et faire leur part ou changer de position d'hôtel. Mais ils sont venus se tenir bêtement sur cet hôtel. Mes amis, les gens du quartier ont commencé à leur demander qu'ils m'attendaient. Le sorcier là, il remplissait l'église là. Juste là, ça venait sur nos vérandas ici. Mais vous, vous vous asseyez sur les tabourets. Vous faites le culte à les portes fermées. Parce que vous n'atteignez même pas 10 personnes. Dans une grande salle comme ça. Ça a été comme ça. Ils n'ont jamais rempli l'église là, ni de moitié, ni un cinquième, jamais de la vie. Ça a été toujours entre eux, entre eux, entre eux. Juste à ce qu'entre eux-mêmes, la division vienne, que la malédiction frappe, le jugement de Dieu. Ouais. Ils m'ont suivi partout. Il faut faire attention. Lorsque tu attaques une personne qui ne répond pas, tu gifles quelqu'un, il ne répond pas. Tu le pousses, il ne répond pas. Comme Jésus-Christ a dit, c'est très dangereux. La loi du silence. La loi du silence. Jésus a dit que si ton ennemi te gifle, donne-lui l'autre jour. Il gifle encore. Il se sent fort. Toi, tu te sens faible. Si quelqu'un arrache ta tunique, donne-lui ton costume. Qu'il arrache encore. Qu'il se sente fort. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Qu'il se sente fort. Parce que quand tu es faible, Dieu deviendra fort pour toi. Quand tu te montres sans défense, c'est que la personne ne comprend pas que Dieu viendra reprendre la tunique et reprend plus que la tunique qu'il t'a arrachée. Dieu lui rendra plus de 2 gifles qu'il t'a donné. C'est ça que les gens ne comprennent pas souvent. Je n'ai jamais répondu à mes ennemis ou bien attaqué quelqu'un parce que la personne m'attaque. Les gens ont passé leur temps à parler de moi dans les radios. Dans des radios. Les gens viennent me raconter. À Dynamis FM, il y a des gens qui ont passé leur vie. Je suis devenu leur ministère et je bénis Dieu que ma vie est devenue le gagne-pain de certaines personnes dans certaines radios chrétiennes. C'est-à-dire, grâce à moi, eux aussi deviennent ce centre de personnes. Quoi. Mais aujourd'hui, ils sont où? Leur ministère est où? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils ne sont nulle part. Ce qu'ils avaient convoité, ils ne l'ont jamais reçu. Dieu ne leur a jamais donné cela. Ils pensaient que c'est parce que j'ai passé à la radio que Dieu m'a donné le succès. Mais ils ne savaient pas que c'était. C'est pas la radio qui me donnait le succès, mais c'était l'alliance que je portais. Ils ont fait les mêmes émissions. Ils n'ont jamais réussi. Jamais. Quelle est la leçon? Je me demande parfois ce qu'ils pensent aujourd'hui de toutes ces choses-là. Voici où je suis. Eux, ils sont où? L'argent qu'ils voulaient, ils n'ont pas reçu ça. Ils sont à quel niveau aujourd'hui? Ouais. Donc, mes amis, je veux simplement dire que la trahison, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Ne dis jamais que pourquoi c'est à moi seul que ça arrive. C'est pas, tu n'es pas seul. L'apôtre Paul a dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères dans le monde entier. La trahison, ça arrive à tout le monde. Mais il ne faut pas mal l'apprendre, c'est bien. Ces choses-là m'ont formé. Ont fait de moi le guerrier que je suis aujourd'hui. Ils m'ont donné un cœur dur. Parce qu'au début, j'avais un cœur trop mou, et trop sympa. Mais n'arrivant pas à prendre, être ferme où il faut être ferme, doux il faut être doux. Aujourd'hui, l'homme que je suis, ce sont ces trahisons. C'est ça qui a fait de moi l'homme que je suis. Donc, c'est le désert qui te forme. Canaan ne te forme pas. Non, c'est le désert. Le genre de désert que tu traverses te donne l'endurance. Ça te donne la sagesse de la vie. Ça te donne la force. Ça te donne de la hargne pour affronter n'importe quelle situation. Aujourd'hui, mes amis, je peux me confronter à n'importe quel genre de problème dans la tranquillité, le calme. Je suis une force tranquille.
À cause des blessures, j'ai pleuré. J'ai eu des douleurs énormes. Parce que j'ai traversé. C'est pour ça que l'offense ne me casse pas. L'offense ne me brise plus. Vous pouvez dire n'importe quel genre de mal sur ma personne, conspirer, dire n'importe quoi. Ça ne m'affectera en rien. Parce que mon cœur est immunisé contre la haine, contre les trahisons. Mon cœur est immunisé. C'est-à-dire que je vis avec les gens dans le principe du pain quotidien. Le jour où tu décides de partir, on se sépare tranquillement, tranquille. Tu suis ta voix, je suis la mienne. J'ai appris à être indépendant des gens. J'ai appris à suivre mon chemin. J'ai appris à m'occuper des choses qui m'occupent, qui m'intéressent moi, qui me regardent. Je ne m'immisce pas dans la vie des gens. Je ne m'immisce pas dans la vie. Tous ceux qui sont avec moi vous le diront. Il y a des leaders qui sont avec moi. Je ne suis jamais allé dans leur maison. Le Rouen Bassama, je ne suis jamais allé chez lui. Jamais de la vie, je suis allé chez Rouen Bassama. Papa, mon coco, je suis allé dans leur maison une seule fois, en près de 10 ans. Une seule fois. Papa Debé, je suis allé une fois, je pense, dans sa maison. Une seule fois. Maman Ephémie, je ne suis jamais allé chez elle. Maman Rosette, je ne suis jamais allé chez elle. La plupart de mes leaders, moi, je ne suis jamais allé dans leur maison. Pourquoi? Parce que je ne veux pas envahir l'espace privé des gens. Non. Je ne veux pas. Je respecte l'intimité des gens. Je respecte ma responsabilité, mes limites. Je suis à l'église. Je suis passé à l'église. Je ne suis pas passé dans la maison des gens. Chacun est pasteur chez lui. Chacun est seigneur dans sa maison. Donc moi, je pense que, bien aimé, si tu as été trahi dans cette vie, Dieu te bâtit à travers cela. Il n'y a rien qui soit un hasard. C'est ce que j'ai enseigné hier. C'est ce que Dieu a fait dans la vie de Jésus. Il a envoyé les rois mages. Il a envoyé les mages partant. Autant qu'on va sur la Bible, ne dit pas si c'était des rois. Il a envoyé des mages qui ont donné une offrande d'un grand prix à Jésus. Après, Dieu leur a demandé d'aller en Égypte pour un voyage pour 3 ou 4 ans. C'est cette offrande, la rencontre avec les mages, qui a pu prendre soin de leur voyage et leur vie en Égypte pendant toutes ces années. Donc Dieu savait déjà qu'il devait voyager pour l'Égypte. Il a envoyé la provision à travers les mages. Si les mages n'étaient pas arrivés, ils seraient incapables de faire ce voyage. Donc Dieu ne te demandera jamais d'aller où il ne te donne pas la provision d'y aller. L'épreuve, c'est bon pour toi. L'épreuve, c'est important pour toi. Tu dois aimer l'épreuve. Tu dois aimer la trahison. La trahison, ça te permet même de connaître les cœurs de ceux qui sont autour de toi. C'est important. Et ma prière pour vous, c'est que Dieu vous révèle les cœurs de ceux qui ne vous aiment pas. Et le soir-ci, nous allons faire une prière puissante par rapport à cela. Que le Seigneur révèle les cœurs des méchants autour de nous. Et avec la prophétie qui est la lampe de Dieu pour son peuple, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a un frère qui est arrivé hier en Dogon, ici à Douala, derrière l'immeuble Kamlay. Il est venu avec une blessure de plus de 10 ans. Une plaie de plus de 10 ans. Plus de 10 ans, mes amis. Un enfant de Dieu, plus de 10 ans. Il arrive à l'église, je regarde sa plaie. Et l'Esprit de Jésus commence à me parler. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur. Sois toujours bon envers ton serviteur. Ne me lâche jamais. Tiens ma main toujours. J'ai besoin de toi, plus que tout, tu sais, depuis mon enfance. Aime-moi toujours, Seigneur. Aime-moi. Garde-moi. Et donc, quand je vois la blessure, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu sais pourquoi il est blessé depuis 10 ans sans guérir? Il dit non, Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a dit que c'est parce qu'il a connu une fille qu'on appelait comme ça, comme ça, comme ça, avec qui il était fiancé. Et voici ce qui s'est passé entre lui et la fille. Et voilà comment je lui dis, monsieur, votre blessure, si vous avez une fille que vous deviez épouser, qu'on appelait comme ça. Il dit oui. Ça n'a pas marché entre vous. Il dit non, ça n'a pas marché. On s'est séparés. J'ai dit ok, la femme là, donc voici ce qu'elle a fait, voici ce qui s'est passé. Il était dépassé en fait. Parce que si tu ne connais pas l'origine de ton problème, c'est là difficile d'en être guéri. On a donc prié au nom souverain de Jésus-Christ et le Seigneur l'a délivré. Vous voyez. Donc je vais dire quoi? Le soir, si à Douala, si vous êtes dans la ville de Douala et vous ne venez pas en Dogon, si vous n'aimez pas votre propre vie, vous avez un malade, venez avec lui. Ce soir, on va attaquer les maladies, les cas de maladies démoniaques, maladies mystiques. On va s'attaquer à cela. Et la prophétie viendra pour t'éclairer, pour que tu comprennes. Donc, prie à partir de maintenant que Seigneur, comme j'irai le soir de bon, je veux que ta gloire me touche. Seigneur, que ton serviteur, parle-lui de moi, parle-lui de ma situation. Si tu pries sincèrement, le Seigneur se manifestera dans ta vie.
Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Qu'il expose les ennemis cachés de ta vie. Qu'il te garde, qu'il t'amène à bon port. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui sont attaqués par Satan, qu'ils soient délivrés. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que ce combat, Dieu le porte sur lui au nom souverain de Jésus. Père, je prie que tu décharges chacun de nous de son fardeau. Que les portes des prisons soient brisées pour que nous voyons, Seigneur, le soleil du salut qui vient de toi, dans le nom de Jésus. Je bénis cette journée. Je prie pour tous ceux qui seront ce soir à Ndokbon, derrière les murs Kamelé, dans la ville de toi là. Seigneur, bénis-les. Seigneur, touche leur vie. Manifeste ta gloire dans leur vie. Qu'ils soient témoins de ta bonté. Ceux qui attendent la prophétie, parle-leur. Ceux qui attendent ta parole, guéris-les par ta parole. Ceux qui sont malades dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, guéris-les. Seigneur, délivre-nous, nous avons besoin de toi. Tu es mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Seigneur, donne-nous l'abondance du salut et je t'en supplie. Mets du combat ton amour pour nous pauvres humains et accorde-nous ton salut. Mène-nous, Seigneur, jusqu'à ta lumière, afin que nous aussi nous soyons la lumière du monde, comme tu l'as dit. Umeis este ton force, ton cosmos. Vous êtes la lumière du monde. Père, merci parce que tu m'as exaucé. Que cette journée soit bénie. Que nos activités aient du succès. Nos entreprises aient du succès. Et que ce soir soit une soirée bénie. Je prie pour tous ceux qui viendront à Ndokbon ce soir, qui vont laisser leur travail, leurs activités, qui vont laisser leur maison pour venir dans ta maison, qu'aucun ne rentre avec son problème. Père, remplis-moi pour faire de moi un vase de bénédiction dans la vie de mes bien-aimés. Aide-moi, Seigneur, à être l'homme que tu veux que je sois. Aide-moi à me parfaire tous les jours. Ôte en moi ce qui ne te glorifie pas. Tout ce qui n'est pas pour ta gloire, toute plante que tu n'as pas plantée dans ma vie, qu'elle soit déracinée, ainsi que dans la vie de mes frères. Et que le rassemblement de ce soir soit par le Saint-Esprit. Seigneur, tu amèneras ton peuple à gauche, à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la ville de Douala. Et même dans les alentours de Douala, tous ceux qui voyagent pour ce programme, pour ces trois jours, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. J'ai dit que vendredi, chacun apporte un mouchoir. Vendredi, apportez un mouchoir. Dieu se manifestera puissamment. Et j'aurai un programme de fin d'année à Douala. Il y aura un programme de fin d'année ici à Douala. Donc, apportez le mouchoir vendredi. Donc, ce soir, et vendredi, tu apportes un mouchoir. Je vais impacter ça. Je vais prier sur cela. Et tu verras ce que le Seigneur fera. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom.